Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. De quoi es-tu si sûr? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même, les forces qui le maintiennent, les forces qui l'animèrent, son rapport à l'animal, aux plantes et aux petits règnes, sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire, ses désirs impossibles à satisfaire, cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs, quand la profondeur intérieure reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr? Des limites, des limitations, droit carré bien rangé d'une petite façon, au rythme des vacances, des soldes, des liquidations. Est-ce que la vie active peut au final mener à l'inaction? Je nous le demande, j'ai encore plein de questions. Non messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le courage de quitter ses schémas de protection et de fouiller derrière ses propres projections? Dis-moi qui? Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. De quoi es-tu si sûr? Discernes-tu l'inconnu et l'absence, le rêve et la réalité? Si tu fermes tes cinq sens, fais-tu la différence entre attente et patience? Et entre manque d'audace et pas de chance, arrives-tu à percevoir derrière les apparences, à distinguer le chemin entre le malaise et la carence, à écouter l'intuition jusqu'à sentir à l'avance de ne pas faire tienne une vérité qui au fond de toi n'a pas de sens? De quoi es-tu si sûr? De quoi as-tu si peur? Sais-tu te préserver des pressions extérieures face aux dogmes et aux passions pleines d'aigreur, même face à la majorité, rester fidèle au son que porte ton cœur? Peux-tu te faire tes idées propres sans jamais t'enfermer dedans et tout en écoutant l'autre? Voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, à l'heure où on se demande qui est le plus humain entre l'animal et l'homme. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. De quoi es-tu si sûr? À quoi t'identifies-tu? Vois-tu qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'individus? Tous les rayons mènent au soleil, hey, les comparer serait trop bête, la lumière est une et indivisible. Pourquoi parler d'unité? Bien difficile, à qui profite que tout le monde se divise depuis 15-10 piges? Les politiques de plus en plus insipides, violents et sans limite, souvent avec médias comme assises. Quelle liberté quand les choix sont minimes, on en est là à hésiter entre la peste et le choléra, sachant que les deux jouent des manigances les moins tolérables. C'est pas à la guirlande mais à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. Es-tu si sûr? As-tu jeté corps et âme? Sais-tu prendre du recul même avec un cœur au bord des larmes? Discernes-tu la grandeur de l'âme? Passe la tornade, la ville trépasse, mais le brin d'herbe est encore là. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand il croit se lever. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait.